Et moi j'ai toujours mon ordinateur sous mon lit. Mais c'est pas possible. Aussi je vais répondre à la question, est-ce que tu fais du sport à jeun, parce qu'on me demande tout le temps. Attendez, venez, j'essaye de dire sans regarder. Normalement je sais tout. Enfin habillée, ma tenue me fait chier. Il y a du caramel, des noisettes, du chocolat et tout ce truc. Bonjour, première chose que je fais le matin, j'ouvre mes rideaux. J'ouvre mes rideaux et je me remets dans mon lit parce que j'ai froid. Là il est 8h37, je me suis réveillée un peu tard ce matin, mais je suis là pour vous montrer ma vraie morning routine, ce que je fais vraiment. Donc c'est souvent ce qui se passe. J'avoue que mon rêve ultime c'est de me réveiller plus tôt parce que j'ai tellement de choses à faire et je sais que je travaillerai beaucoup mieux si je me levais plus tôt. Mais j'y vais crescendo parce que à la base je me lève à 11h, je suis vraiment décalée depuis ce premier confinement, j'ai jamais réussi à me remettre dans le truc. Du coup ce que je fais en premier c'est que j'ouvre toujours mes rideaux, ça me force à me réveiller, sinon bah, c'est trop une galère. Ma voix, je suis désolée, ma voix du matin, elle est incontrôlable. Ensuite je regarde vite fait mon téléphone et ce que je fais direct c'est que je regarde mes mails. Si j'ai un mail important ou un mail auquel je veux vraiment répondre, et ben je sors mon ordinateur et je réponds. Si jamais c'est des mails qui peuvent attendre, et ben ça attendra quand je travaillerai un petit peu plus tard. Du coup ce matin il y a quand même un mail auquel j'ai envie de répondre. Je vais tout de suite prendre mon ordinateur, y répondre et ensuite on pourra descendre. Le but est de ne pas rester trop longtemps sur mon téléphone parce que sinon c'est foutu. Et moi j'ai toujours mon ordinateur sous mon lit. Il est toujours à portée de main, c'est fait exprès. Oh. Et tous les matins, je fais mon lit obligatoire. Et voilà. Let's go! Dès que je descends, j'ouvre toujours mes rideaux. Trop besoin de lumière parce que cet appartement n'est pas très lumineux. Du coup, si en plus je laisse les rideaux fermés, c'est foutu. Ensuite, je me fais un petit thé. Et en ce moment, je me fais un ventre plat. Alors, encore une fois, je le dis à chaque fois, mais je ne fais pas ça pour avoir le ventre plat. Mais en fait, ça aide à la digestion et c'est trop, trop bien. J'aime trop. C'est à la menthe et le matin, c'est trop agréable de boire ça. Et ensuite, ce que je vais faire pendant que l'eau chauffe, c'est que je vais me mettre en tenue de sport. Car le matin, je fais du sport. Et voilà! Je suis en tenue, prête à faire du sport. Et j'ai toujours trop soif le matin. Je sais pas vous, mais moi je pourrais boire des litres et des litres. Et là du coup c'est prêt. Bon, je vais attendre quand même 2 secondes. Juste au niveau du sport, parce que vous me posez tout le temps la question de ce que je fais, etc. Si vous me suivez pas encore sur Instagram, d'ailleurs si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour. Sachez que je fais un challenge en ce moment de Pamela Ref. Il y a 3 choses que j'aime faire quand je fais du sport. C'est Pamela Ref, Alex Sirène et Frilitix. En ce moment je suis à fond dans Pamela Ref et en fait je vous prépare une vidéo qui sortira à la fin du mois. C'est la vidéo où je fais pendant 1 mois son challenge abdo avec des avant après etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas pour pas louper la vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je vais faire ça et j'aime bien aussi ajouter une petite séance parfois, donc que ce soit pour les fesses, pour autre chose. Et en fait hier j'ai un peu fait les fesses, donc du coup je vais faire autre chose aujourd'hui. J'ai envie un peu de travailler mes bras, je les travaille pas assez, cette coupe de cheveux chaud. Donc j'aime bien faire du cardio. Là je vais pas en faire ce matin parce que j'en ai fait 3 tonnes hier et que j'ai pas envie tout simplement. Elle a fait une vidéo 10 minutes dos, poitrine et bras. Ça, ça me plaît. Je déteste par-dessus tout le travail des bras même. Du coup on est sur la vidéo 15 minutes abdos et 10 minutes haut du corps. Let's go. J'ai pas de serviette propre pour mettre sur mon tapis, donc ce sera sans serviette, me jugez pas. Aussi je vais répondre à la question, est-ce que tu fais du sport à jeun, parce qu'on me demande tout le temps. Et oui, en fait le matin quand je me réveille, que je fais du sport directement, je me sens mais accomplie. J'ai l'impression d'être la meilleure personne de la terre, la plus productive, je suis fière de moi. Let's go, let's go, let's go. I was knocked down, heard the countdown through the haze, in the face of defeat, yeah. I was ruled out with no bailout on my own, all alone, left to bleed out. But I rose up from the ground, just like I was spellbound. All the odds were against me. So I picked up the pace, and now I'm in the race. Give me some space. I'm a movement and I ain't losing. Ça y est, j'ai terminé. Ça m'a fatiguée. C'était dur les bras, le haut du corps. Moi je suis vraiment pas forte pour ça. Et je me suis étirée. Je vous ai fait une petite story sur Instagram.
aïe. Normalement, je vais à la douche directement, mais aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette vidéo est en collaboration avec la marque Des Plus Sport Care. Je suis trop contente parce que vous savez que je suis une fan de compléments alimentaires, on va pas se mentir, vous le savez déjà, je pense. Donc avant d'aller à la douche, je vais vous montrer ce que je fais tous les matins. J'ouvre mon frigo et je sors ma boîte trop mignonne. Donc en ce moment je fais la cure Day Plus. C'est une cure pour la peau, les ongles et les cheveux. Alors vous savez que je suis une fan de compléments alimentaires, ça je vous le dis plus. Mais vous savez aussi que normalement je prends énormément de gélules. Je prenais beaucoup de gélules tout simplement parce que quand vous prenez des cures anti-acné par exemple, que vous achetez toutes prêtes, j'en sais rien, chez Sephora, sur internet, ils mettent plein d'ingrédients dedans, donc ce qui est très bien. Sauf que le problème qu'on a, c'est que on prend une ou deux gélules par jour, et dans une ou deux gélules par jour, on ne peut pas doser énormément les principes actifs, parce que tout simplement il n'y a pas assez de place, hein. Faudrait prendre une dizaine de gélules, donc c'est ce que je faisais. Donc j'étais pas du tout en surdosage, attention, ne m'engueulez pas, pas du tout, c'était le dosage recommandé, parce que vraiment c'est sous-dosé tout ce qui est tout prêt. Donc voilà, c'est pour ça que je prenais énormément de gélules. La cure Day Plus que j'aime beaucoup, c'est que c'est un sachet à boire, donc les petits sachets se présentent comme ça, ils sont trop mignons. À l'intérieur, il me semble, si je me trompe pas, vous savez, sur Insta j'avais fait un live avec la fondatrice de la marque, et il me semble qu'elle m'avait dit que ça représentait 12 gélules, il me semble, si je me trompe pas. Personnellement, je suis une fan de zinc, c'est ce qui fonctionne le mieux sur ma peau pour tout ce qui est texture. Si vous avez des problèmes, vous savez, la peau avec un petit peu de texture, quand vous maquillez ça marque, etc. Parfait pour ça. L'hydratation, manque d'hydratation, des petits problèmes d'acné, des problèmes de cicatrices, des problèmes de ridules, c'est vraiment parfait. Moi j'ai une cure de 3 mois, donc en fait une boîte comme ça c'est un mois, et j'en ai deux autres qui sont dans mon frigo. Vous n'êtes pas obligé de mettre au frigo, mais moi j'aime bien. Je le prends tous les matins à jeun, donc parfois avant le sport, parfois après le sport, ça dépend. Et donc ça va vous aider vraiment au niveau de votre peau, également au niveau de vos ongles. Et du coup moi j'ai presque terminé ma cure d'un mois, il me reste deux petits sachets à l'intérieur, donc je vais prendre mon petit sachet. Et ça aide également à faire briller les cheveux, à la pousse de cheveux, à éviter de perdre ses cheveux. Ça le goûte vraiment de yaourt au citron. Voilà, ça prend des secondes. Et du coup, dernière chose, je vous ai pas parlé des ingrédients, mais à l'intérieur vous avez... Attendez, venez, j'essaye de dire sans regarder. Normalement je sais tout, vous avez du zinc, du collagène, de la spiruline, de l'acide hyaluronique, de l'huile essentielle de citron, et c'est tout je crois. Extrait de grenade bio, oui d'accord, j'avais réussi, hein, voilà. Mon code promo c'est Andy15, il est valable sur tout le site, vous avez moins 15% sur tous les produits. Vous avez la cure Day Plus, vous avez aussi des cures pour les règles, vous avez aussi des produits pour le sommeil ou le spray dodo. Moi c'est clairement mon prochain achat. Day Plus, je sais que vous allez voir cette vidéo, je veux le spray dodo. Donc je vous recommande d'aller voir. Donc maintenant, c'est l'heure de la douche. Parce que je peux pas rester dans cette transpiration. Et attendez, avant la douche, je vais vous montrer vraiment ma peau en pleine lumière. J'ai un seul bouton, il est là. Ça, c'est une cicatrice. À chaque fois, on me demande, c'est une cicatrice qui malheureusement est bien creusée. J'ai un seul bouton et vous savez pourquoi, hein. C'est la période. J'ai plus aucune texture. C'est vrai qu'ici, j'avais vraiment tendance à avoir plein de petits boutons et là, j'en ai plus du tout. Donc voilà ma peau. A few moments later. Voici ma tête quand je sors de la douche. Il y a du taf. Je m'hydrate la peau comme d'hab. Bon attendez, non, je vais faire ma coiffure quand même. Vous allez sûrement vous dire, mais Andy, tu ne manges pas? Et bah figurez-vous que non. En ce moment, je fais le jeûne intermittent et ça me rend extrêmement heureuse. Je saute juste mon petit déjeuner et j'avoue que ça me fait du bien. Je vous en ai déjà parlé sur Insta, mais j'aime bien le faire. Et après certains excès, je vous avoue que ça me fait trop du bien au niveau de ma digestion. Et si jamais j'ai faim, bien évidemment, je mange, mais du coup, bah je m'y habitue, j'ai pas faim. Ah oui, je vous ai pas dit un truc. Je me remets toujours dans une tenue ultra confortable après ma douche. Je ne supporte pas m'habiller directement après ma douche. Il faut d'abord que je me maquille, que je fasse mes soins. Ou même si je me maquille pas, enfin je sais pas, il faut que je me mette dans une tenue confortable parce que je supporte pas. Je vais me faire un make-up ultra naturel, donc je vais utiliser ma bébé crème Charlotte Tilbury que j'aime trop. Le matin, comme je travaille direct mais depuis chez moi, parfois ce que j'aime bien faire, histoire de me connecter avec le monde extérieur comme je le fais pas souvent, j'aime bien aller me chercher un petit truc à boire avant de travailler, si jamais j'ai le temps évidemment. Je vous avoue qu'aujourd'hui je me suis réveillée un peu tard. Hier j'ai travaillé jusqu'à bâtard. Je prends ma petite palette MAC pour mettre un petit peu de orange. Faut savoir un truc, c'est que je me maquille pas du tout tous les jours. Je me maquille uniquement les jours où je tourne une vidéo ou que j'ai un truc de prévu du style, je sais pas, voir des copines, voir Jérémy ou quoi que ce soit. Mais il y a des journées où je fais que du montage et là, mais alors jamais de la vie, je vais me maquiller. Je me maquille vraiment pas tous les jours pour le coup. Je prends mon anti-cerne Armani. Je vais pas mettre de fond de teint, je mets juste un peu d'anti-cerne. Et je sais pas pourquoi j'aime bien le mettre avec le doigt en ce moment. Ça c'est mon make-up genre naturel, simple, quand j'ai un peu la flemme. Du coup aujourd'hui je sais pas trop si on va aller chercher un jus ou un truc à boire
peut-être. Pendant ma vidéo Bella Hadid, j'avais testé le jus détox là qu'il y avait à côté de chez moi et il était trop bon. Je vais me laisser tenter hein, peut-être ce matin. J'aime bien faire ça franchement quand j'ai le temps, ça me prend genre 15 minutes. Ça me permet de sortir, prendre l'air avant de commencer à travailler, ça fait du bien. Petit blush liquide Benetint Benefit. Sachez que plus vous l'appliquez haut, sans trop abuser, plus ça va vous remonter les pommettes, plus ça va vous affiner le visage. Parce que je sais que suite à ma vidéo sur comment j'ai affiné mon visage, vous avez été très nombreuses à répondre que vous aviez le même complexe que moi. Et bien voilà, une petite technique, vous voyez, ça définit bien plus mes pommettes. Sourcils avec mon produit Mega Forever, je vous ai fait une vidéo à ce sujet là. Petit correcteur MAC pour cleaner vite fait. Petit coin lumière avec l'highlighter MAC. J'en applique aussi vite fait ici. Recourbe cils. Un peu en bas. Bronzer, je mélange le MAC Medium Dark Mineralized Skin Finish et un Make Up Forever, c'est un fard mono. Voilà, qui est un peu plus froid. Un petit peu. Et voilà! Très simple, très naturel. Celui-là je l'aime trop. Et mon mascara c'est un Benefit. De manière, je pense que je vais faire une vidéo sur mes cils parce que vous me demandez tout le temps. Et puis voilà, donc là, étape cruciale. Enfin cruciale. Si je ne sors pas, je vais être honnête avec vous, je reste habillée un peu comme ça. Là comme je vais sortir, je vais choisir mes vêtements et du coup m'habiller pour ma journée. Je sais pas trop quoi mettre. J'ai vu qu'il faisait 0 degré. Oh non, j'ai pas chargé mes AirPods. Je déteste sortir sans mes AirPods. Je pense que je vais juste de toute façon mettre un pull avec un jean et ma grosse doudoune là. 2 hours later. Enfin habillée, ma tenue me fait chier. J'ai fait une commande, sachez qu'il y a un haul qui arrive très vite sur ma chaîne. J'en peux plus, je m'habille tout le temps pareil. J'ai mis ce petit pull, je crois qu'il vient du site Bershka. Et un jean noir basique, franchement je fais pas d'effort. Je vais mettre des bottes avec une petite veste et puis voilà quoi. Pour la miniature je vais sûrement mettre une autre tenue parce que j'en ai marre. Let's go. Je suis rentrée et du coup j'ai pris mon green juice. Ceux qui ont vu la vidéo Bella Hadid, vous comprenez. Et j'ai craqué pour ce carré gourmand, ils appellent ça, c'est vraiment trop bon. Le jeûne intermittent attendra. Trop bon. Pour les personnes qui habitent à Marseille, parce que je sais qu'il y en a, sachez que c'est à Positive Café et c'est que la nourriture saine. Et franchement j'aime trop, c'est un peu cher, même très cher. Mais c'est bon. Il y a du caramel, des noisettes, du chocolat, il y a trop de trucs. C'est mais tellement bon. De temps en temps ça fait plaisir, sachez que je fais pas ça souvent. Je prends soit un jus comme ça, soit un thé matcha au Starbucks. Je fais ça genre une ou deux fois par semaine, ça me fait plaisir. Là ça me donnait envie, même s'il faisait froid et faisait beau, ça me fait plaisir. Je vais m'occuper de mes mails pendant que je mange et que je bois ça. Et puis voilà. Bon ça y est, j'ai tout mangé, c'était trop bon. Je pense que je vais arrêter la vidéo maintenant parce que je me suis occupée des mails. Et là je vais vraiment faire du montage à fond toute la journée jusqu'à ce soir. Je vais monter cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était un petit peu spécial, un petit peu plus différent que d'habitude. Les morning routines normalement je les filme pas avec cette caméra déjà. Et même pas sous ce format là. Mais là je me suis dit bon écoutez, ça change. Dites-moi ça vous plaît en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais c'est pas déjà le cas. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram pour un petit peu plus de contenu. Si vous voulez des petites idées recettes, un petit peu de motivation, etc. C'est aussi là-bas que ça se passe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.